Parlons et vivons la culture française et colombienne avec notre programme à la rencontre culturelle franco-colombienne, où vous allez trouver informations intéressantes de la culture française et de la culture colombienne. Les clubs de culture et conversation en francophone de la licence en langues étrangères vous souhaitent la bienvenue à cet espace où vous connaîtrez des aspects de ces deux cultures. Bienvenue à tous dans une nouvelle émission de notre programme. Voilà, nous sommes ici pour vous présenter un thème très intéressant. Aujourd'hui, nous parlerons du cinéma. Ok, on partagera avec vous un peu de l'histoire de la technologie derrière le cinéma ainsi que de l'histoire des films les plus reconnus en France et en Colombie. Et finalement, nous parlerons des acteurs les plus reconnus de ces deux pays. Et comme d'habitude, nous aurons le proverbe du jour, le clip linguistique et finalement l'invité du jour. Oui, alors commençons. L'histoire de la technologie derrière le cinéma. Le cinéma est né de la rencontre d'innovations dans le domaine du support photographique. Ces recherches ont été effectuées dans une vue purement scientifique, en cherchant une explication à la recomposition du mouvement et non pour la projection. Ainsi, en 1876, Edward James Wimprecht, il dispose 12 puis 24 appareils photo du passage d'un cheval. Il avait obtenu ainsi une décomposition du mouvement en plusieurs photographies. Il utilisait un appareil appelé le sophrasiscope, permettant de recomposer le mouvement. Après, en 1891, Thomas Edison a créé le kinétographe, qui était la première caméra de prise de vue. Les films étaient regardés à travers une visionneuse et non projetés comme aujourd'hui. L'appareil était le kinétoscope. Ensuite, il apparut le kinémacolor, qui a été le premier projecteur qui capte le mouvement et les couleurs dans les années 1908 et 1914. Il est créé par George Albert Smith en 1916. L'utilisation du triacétate de cellulose et le nitrate de cellulose dans les pellicules photographiques a été introduite en 1934. L'étain ancien standard est produit très instable, hautement inflammable. Finalement, les professionnels de l'édition des années 70 jusqu'aujourd'hui, ils utilisent des logiciels comme SantaVision, qui est un software créé par Magi Mathematical Application Group pour la création de films plus élaborés comme les 3D. Maintenant, on va parler de l'histoire et de l'évolution du cinéma français et colombien. Oui, et pour commencer avec le cinéma français, on doit parler des frères Lumière. Ils ont effectué des projections privées en 1895 et ils décident d'organiser une projection publique payante le 28 décembre 1895 à Paris. Une trentaine de spectateurs payèrent en francs environ 3,5 € de nos jours pour regarder 10 films d'environ 1 minute chacun. Le premier film intitulé Sortie des usines montre tout simplement les ouvrières et les employés des frères Lumière sortant de leur usine. Voilà, le succès a été immédiat. On vous partage maintenant un petit extrait de cette vidéo. Ce sont très intéressants les vêtements de cette époque-là et imagine la différence de culture des pensées. Oui, c'est vrai. Et pour continuer, le cinéma muet est né en France grâce à Georges Méliès et son film Le voyage dans la lune.
Méliès est la première personne qui a fait du cinéma. C'est-à-dire, il a inventé et créé une autre chose qu'une simple vue de personnes en mouvement. Pas comme un témoignage, mais comme un art. Oui, alors regardons un peu de ce film. Finalement, l'arrivée du cinéma parlant a été un tremblement de terre. En 1929, en France, il y avait 20 salles sonorisées et ce fait a été très populaire. Pour ces raisons, elle passe à 1000 en 1931 et 4250 en 1937. Malheureusement, la première et la deuxième guerre mondiale a fait une crise dans le monde du cinéma français par toute l'Europe et la croissance du cinéma des États-Unis dans le monde. Ah oui, et pour cette raison, de ces films qu'il y avait dans la salle de film, au moins un film devait être français. Oui, de cette manière, quelques cinéastes comme Jacques Feider ou Jean Vigo ont été reconnus dans ce temps-là. L'un des films les plus reconnus est Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, qui est considéré comme la meilleure production de cinéma français de l'histoire. On va voir un extrait de la bande-annonce alors. Pendant les années 80, l'industrie française a rivalisé avec l'industrie des États-Unis. Oui, les films français ont remarqué le contenu et la narration, pendant que les films des États-Unis, les styles et les spectacles. Dans les dernières années, il y avait des films très reconnus comme La Vie en Rose et Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvoir et Un prophète de Jacques Audiard qui ont obtenu beaucoup de prix comme le BAFTA, le Pandor et le Grand Prix du Festival de Cannes, entre autres. Très bien, maintenant parlons de l'histoire et de l'évolution du cinéma colombien. Oui, le cinématographe est arrivé en Colombie en 1897. Après l'introduction du cinéma, il a fallu attendre la guerre de mille jours pour voir les premières productions de cinéma en Colombie. Le cinéma colombien est représenté par la projection de paysages, des moments importants dans la vie nationale du pays et l'exhibition de films étrangers. Et le premier film de la Colombie est un documentaire intitulé El Drama del 15 de octubre. Celui-ci, film est basé de l'assassinat du général Rafael Uribe Uribe. De même, en 1922, Máximo Calvo Olmedo a créé le premier film de fiction intitulé Maria, qui est basé d'une œuvre de Jorge Isaacs. Et seulement, il existe 25 secondes de ce film dans la Fondation du patrimoine filmique colombien. Ah oui, en 1930, la Colombie a souffert d'une crise d'élévation du thème important, comme la violence de la guerre et la perte du canal de Panama. Ont été éclipsés par les paysages, le folklore et le nationalisme du pays. Exactement. De la même manière, l'entreprise Ciné Colombia a acheté en 1928 l'entreprise de los Hermanos Domenico. Pour cette raison, de 1928 à 1940, il n'y avait qu'un film qui n'était pas exhibé intitulé Al son de las guitarras de Alberto Santana, ainsi que l'époque d'or du cinéma mexicain et l'Argentine et l'innovation du cinéma parlant
en fait la pire crise de l'histoire du cinéma colombien. Ah oui, et après, dans les années 1970, il y avait un mot très populaire, porno miseria, qui faisait référence à la pauvreté et la misère représentées dans le cinéma colombien et dans les pays latino-américains. Ce mot a été créé par Luis Puenzo, un directeur du ciné. Oui, et un film très populaire et gamin. En 1978, de Ciro Durán, c'était un documentaire des enfants sans foyer. Dans cette année, la Focine a été créée pour faire des films. Cependant, les faiblesses administratives ont disparu. Focine en 1993. Actuellement, les cinéastes ont fait coproduction avec des pays européens pour faire des films. Et une des productions très reconnues est La Stratégie del Caracol de Sergio Cabrera, avec plusieurs prix internationaux. On va regarder la bande-annonce de ce film. Le cinéma colombien en fait histoire en Hollywood. C'est El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra qui a été nommé comme le meilleur film de parole non anglaise des prix Oscar. Alors, regardons un extrait de la bande-annonce. Dañara David, me cae norte y alto. Fui a Baitaña, me mamá y me picaite. ¿Y yo ya, bebé? ¿Y naco igual a donde queremos? ¿Naco a la mamá? ¿Ve que va a venir muro? Muy de ahí que yo. Nunca he soñado. Le proverbe du jour. On va commencer avec cette section de l'émission. Et le proverbe d'aujourd'hui est: la valeur n'atteint pas le nombre des années. La quantité de los años no hacen la experiencia. Et cela signifie donc qu'on doit reconnaître l'effort et le travail d'une personne quand il a du talent. On doit lui faire confiance, même si elle ou il est jeune ou vieux, comme dans le cas du cinéma et des acteurs. Oui, exactement. De même, je voudrais partager une phrase très importante avec vous. La barrière de la langue n'existe pas, puisque l'image est universelle. Et une phrase de Thomas Edison quand il a créé le kinétographe. Pour continuer avec l'information du cinéma, on va parler d'un des éléments les plus importants de cet art, les acteurs. Maintenant, on va présenter les acteurs les plus reconnus en France et en Colombie. Oui, alors commençons avec les acteurs de la France. Voilà, Jean Reno, de 70 ans, a été protagoniste de films comme Godzilla, Mission Impossible, Ronin, Roller Ball et La Panthère Rose, Da Vinci Code, entre autres. Il était nommé 3 fois au César du meilleur acteur. Oui. Clémence Poésie, une actrice de 36 ans,
Elle est née le 30 octobre 1982 à L'Haÿ-les-Roses. Sa popularité mondiale est en partie due à son interprétation dans la série de films Harry Potter. Guerre et paix, Le rat Molne, De ma tout commence, entre autres. Finalement, Simone Signoret, qui était française, elle est née le 25 mars 1921 et elle est morte le 30 septembre 1985. Elle a gagné le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1959 pour son rôle dans Le schéma de la haute ville. Elle est la seconde actrice française à remporter l'Oscar de la meilleure actrice l'année suivante pour ce même film. En 1977, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour La vie devant soi, d'après le roman éponyme de Romain Gary. Ok, maintenant je vais vous présenter les acteurs de la Colombie. Robinson Díaz Uribe, qui est un acteur de cinéma, théâtre et télévision colombien de 52 ans. Et il est né à Envigado, il a fait des films comme El Cartel, Lo que siento por ti, Bolívar soy yo et entre autres. Catalina Sandino, qui est une actrice de 37 ans, elle est reconnue grâce au succès international du film dramatique Maria Genaire de Gracia en 2004, qui lui vaut de nombreux prix d'interprétation, et d'autres films comme Corazón de la Tierra et Paris, Je t'aime. Finalement, Fran Augusto Ramírez Mateus. Il est né le 12 février 1950 et il est mort le 19 février 2015. Il était un acteur de cinéma et télévision colombien. Et il était protagoniste de films colombiens et d'Hollywood comme Metastasis, The Tide, Elsewhere, La Voragine, entre autres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'invité du jour. On va continuer à parler au cinéma. Et nous sommes ici avec ma copine, mes camarades, Jennifer Cordon, qui est une exécutrice du projet Les Lumières au cinéma. Voilà, on va faire la présentation. Bonjour Jennifer. Bonjour. Et comment allez-vous? Oui, merci. Très bien, maintenant on va faire quelques questions par rapport à votre projet. Ok, quel est le propos de votre projet? Bien, le propos c'est d'implémenter des films français, bien sûr, pour, c'est un outil pour apprendre sur la culture française. Ok, très bien. Et quelles sont les activités que vous faites dans votre projet? Eh bien, nous avons divisé comme les ateliers dans trois différentes parties. Dans la première partie, on a dégagé les aspects concernant la bande-annonce ou l'affiche. Par exemple, des questions comme quels seront les liens entre les personnages, qui est-ce qu'on peut regarder dans un premier plan ou dans un deuxième plan, et faire des hypothèses avant de regarder le film. Dans la deuxième partie, on a regardé le film, et dans la troisième partie, on a fait quelques questions par rapport à la problématique qui s'est déroulée dans les différents films. Très intéressant, et maintenant la question finale. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport au cinéma en faisant ce projet? Eh bien, savoir un peu plus de la culture française, oui, c'était une expérience vraiment magnifique. Regarder les films, après faire des hypothèses et des réflexions sur les films pour pouvoir faire les ateliers, c'était vraiment intéressant et on apprend beaucoup sur la culture française. Voilà, c'est parfait alors. On va partager le lien de votre page de Facebook dans le link dans la description de notre vidéo. Ok? Au revoir et merci pour partager vos informations. Merci. Merci. Aujourd'hui, vous allez apprendre le vocabulaire français pour donner votre avis sur les films. Je pensais que les films étaient géniaux. Ok? Fantastique. Les acteurs.
costumes, scénario sont impeccables. Les effets spéciaux sont fantastiques, terribles. La meilleure scène, la pire scène, est quand. L'intrigue est crédible, semble un peu improbable. Et vous ne voulez pas ruiner le film pour vos amis, afin que vous puissiez dire quelque chose comme « Je ne veux pas le ruiner pour vous, alors je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin. Vous devrez aller le voir par vous-même. Je ne veux pas vous rater la surprise. » Ok, Reja, malheureusement, le temps a fini. Cependant, nous avons beaucoup appris et plusieurs aspects concernant l'histoire du cinéma et les acteurs ainsi que des aspects linguistiques pour l'amélioration de la langue. Oui, et maintenant, c'est à vous de pratiquer et de nous laisser le commentaire s'il y a des doutes. On va être attentif pour réviser tous les commentaires et tous les doutes que vous avez. Nous allons être attentifs sur les fanpages Facebook à la rencontre culturelle franco-colombienne et sur notre chaîne. Les liens sont dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous. Merci à tous les spectateurs qui nous ont regardés. Au revoir.